L'ambassadeur des États-Unis a visité la région de Sédhiou. Tout d'abord, il a commencé par le département de Bonkine, une occasion saisie par les populations pour relever les défis de santé publique qui se posent dans cette localité, surtout le paludisme qui sévit encore. Avec un analphabétisme élevé des femmes, une persistance des croyances socio-éducatives et une méconnaissance de l'importance de la SP dans la prévention du paludisme chez la femme enceinte ne peut être réduite que par des stratégies reposant principalement sur l'utilisation des moustiquaires. Des publics majeurs comportant des risques importants pour la mère, le fœtus puis le nouveau-né. Et pour prévenir le paludisme chez la femme enceinte, un traitement préventif intermittent. Du côté de l'ambassadeur qui avance que la sécurité sanitaire doit dépasser les frontières naturelles pour éviter les surprises. La sécurité sanitaire mondiale, l'exemple que j'ai donné, l'exemple d'Ebola, qui ça commence ici dans les pays limitrophes, et tout d'un coup l'Europe commence à s'en inquiéter, tout d'un coup c'est les États-Unis qui s'en inquiètent. Le dengue, la fièvre dengue dont on parle, et tout d'un coup on pense que c'est seulement Louga. Maintenant les gens de Dakar commencent à s'inquiéter aussi, et quand on parle des gens de Dakar, on parle d'avions. Nous venons d'inaugurer votre... Il faut reconnaître que dans la région de Sidiou, les questions liées à la santé sont préoccupantes. Au-delà du paludisme qui fait encore surface, d'autres pathologies sévissent. Ces problèmes découlent d'un manque d'infrastructures. Sidiou, Wal Fadil, Radio TV, Lamine Bayo.